Salut les athlètes, c'est Jérém de JFIT. On se retrouve, étape numéro 9 de la Bordeaux Métropole Runners League. On est à Pessac, dans la forêt du Bourgail, et on se dirige vers la banderole, vers la bâche, indiquant le départ. Petite reco, il y a moins de 6 km, un tout petit peu moins. Une petite reco tranquille en trottinant. On va bien s'échauffer sur la fin, et puis on va attendre les copains pour faire un tour un peu plus rapide quand même, et on fera sans doute un troisième et dernier tour en récup. Je vais essayer de pas me faire écraser. Merci. Jusqu'ici, le parcours est très sympa. Plus sur l'extérieur de la forêt, chemin que je connaissais pas finalement, puisque chaque fois que je passe au Bourgail, eh ben, je prends le GR finalement. Donc je traverse la forêt, mais sans vraiment. Hyper sympa, très bien validé comme toujours. Cette fois, on peut dire un vrai merci. Hey, connard, je vous avais dit d'arrêter les vidéos. T'avais dit d'arrêter ces putains de vidéos, youtubeur de merde. Petite salope. Non, on va bien s'échauffer sur la fin, et puis on va attendre les copains pour faire un tour un peu plus rapide quand même, et on fera sans doute un troisième et dernier tour en récup. Allô la machine? Où c'est qui là? Je suis un fan de Ready to Run, je vous adore, vos vidéos c'est les meilleures. Ouais je sais, tu veux quoi? Savoir ce que tu fais ce soir? Je regarde un film d'horreur. Ah oui? Moi aussi j'aime bien les films d'horreur. Bah c'est bien ça, je m'en branle. Tu regardes quoi? Une putain de vidéo de JFIT. JFIT? Mais c'est pas un film d'horreur ça, c'est juste un blaireau de YouTube qui se prend pour un coach sportif qui est pas capable de finir une course. Ça se voit que t'as jamais vu ces vidéos, franchement ça fout les chiens. Bon allez, je te laisse, faut que j'aille me faire un petit porno maintenant. J'arrête. J'suis pas parti. Alors, dit comme ça, ça fait un petit peu putac. Bon, en fait, je l'avais annoncé dans ma vidéo. Ah putain, Sébastien, tu fais du sale, c'est bon ça, j'aime bien. J'ai quand même décidé de le couper. Bah, je vous envoie l'extrait. Ce marathon va marquer ma dernière course, je pense, sur route. Là, pour l'instant, j'ai plus trop envie de me faire de la route encore. Donc là, des courses sur route, là, l'ambiance est sympa. Tu commences vraiment à me casser les couilles, là. Tu fermes ta gueule et tu m'écoutes maintenant. Vos vidéos pourries, vous ne respectez rien ni personne, c'est plus possible, t'entends? Vous êtes foutus des handicapés, vous avez insulté le marathon de Tours, et par-dessus tout, vous vous êtes payé la tête du runner du dimanche pendant des mois alors qu'il est plus beau et plus fort que vous. Maintenant, c'est l'heure de payer les Ready to Run. C'est que des vidéos sur YouTube, on s'amuse, c'est tout, faut te détendre, mon gars. Me détendre? Comme le génie, tu veux dire? Comment ça? Tu devrais aller voir dans tes chiottes comme il est bien détendu, le génie. Oh putain, ils ont tué Alex! Oh putain, t'avais pas le droit. Oh, j'ai prévenu le patron, tu vas voir. Il va se faire le cul, tu vas rien comprendre. Le patron, je vais pourtant demander plusieurs fois d'arrêter ses conneries, mais il a rien écouté. Mais maintenant, il est dehors, il t'attend bien gentiment, sans bouger. Putain, non. Oh putain, il l'a tué. Ah, je regrette, putain. On arrêtera YouTube, on arrêtera les vidéos. Ah. Ouais, aujourd'hui, mardi 31 mai, on change pas ses bonnes vieilles habitudes. On se remet à courir. Ah.
salut à tous. Moi, c'est Seb de la chaîne YouTube Le Runner du Dimanche. Comme moi, je pense que vous aussi, vous en avez marre de voir leur sale tronche. Alors, j'ai décidé de monter à Tours pour vraiment régler le problème. Et croyez-moi, après ce que je leur ai mis, on n'est pas prêt de les revoir, ces trois connards. Inutile de me remercier. Abonnez-vous à ma chaîne, ça suffira. Et comme disait l'autre con, allez, à bientôt, ciao !